Bonsoir tout le monde, c'est Téléjournal, Télévision nationale d'Haïti qui rentre la caillou. Merci pour fidélité. Mais quelques points pour le développer dans le journal ça. Je t'ai regardé sur antenne tout à l'heure, président République là, Jovenel Moïse, li retourné dans pays à Soya après participation dans 39e réunion ordinaire chef l'État avec gouvernement CARICOM dans Jamaïque. Gouvernement République là à travers fonds assistance économique et sociale FAES, ministère intérieur et collectivité territoriale, ministère affaires sociales et travail et puis délégation départementale NIP relouvrit officiellement 22 restaurants communautaires mercredi 4 juillet dans département NIP. Depuis environ deux jours, Bureau national examen à l'État, yo, BUNEX, tamen, correction texte, examen, baccalauréat, yo, philosophie, biologie, chimie et sciences sociales, ces matières qui déjà subi deux corrections selon quelques correcteurs. L'autre point pour nous développer dans le journal, la Commission économie et finance Sénat rencontré ministre commerce et industrie Pierre-Marie Dumény jeudi 5 juillet dans l'idée pour bailler explication sous projet loi usage professionnel yo qui visait amender code commerce là. Observatoire système financier haïtien OSF groupe croissance SA présenté jeudi 5 juillet une analyse sous projet loi finance exercice fiscal 2018-2019 là. Objectif activité a c'est vulgariser projet loi finance là. Et puis EMO Haïti organisé première édition sommet international sous technologie avec éducation dans centre convention BRH là. Activité ça réalisé sous thème technologie pour une meilleure éducation en Haïti. Pas déplacer zanmi téléspectateurs, n'a tourné après pause ça pour développement téléjournal là. On va suivre grand journal là sous TNH nous pral wè condition temps avec prévisionniste nous Wilner Polidor. Nous recontemons ça avec nous aujourd'hui pour prévision météorologique là en regard comment situation est sous région Caraïbes avec sous océan Atlantique là toujours c'est en courtoisie météo de UHM qui c'est unité hydrométéorologique pays d'Haïti de concert avec OFNA qui c'est Office national aviation civile avec TNH c'est télévision nationale d'Haïti en regard comment ça est jeudi là. Nous gagnons onde tropicale qui supposé arriver sous pays d'Haïti et onde ça par rapport avec la vitesse, il t'a supposé traverser le pays d'Haïti au cours de journée jeudi ça. Et nous battons avec quelques activités de la vie, mais qui est vraiment très très faible. Parce que gagne zone de pression qui au nord de l'Atlantique là qui toujours a influencé conditions météorologiques sous région et n'abattant nous encore aujourd'hui jeudi avec un temps qui venteux et ensoleillé au cours de journée mais en fin d'après-midi et en soirée, nous avons commencé à gagner quelques activités convectives sous pays. Nous avons gagné quelques départements qui sont concernés par l'activité de la pluie. Toujours le département Antibonite, le centre du pays et région sud pays, toujours gagné possibilité pour gagner quelques averses, mais c'est isolé en soirée et au cours de nuit là et avec ça j'en nous dit assez tilaouzaï cap gain non seulement sur tête mon avec la perdu mais c'est pas go la pli cap gain parce que zone de haute pression continue à limiter activité convective sous pays à capitale là encore avant bas vent avec soleil au cours de journée mais en soirée ou au cours de nuit, il y a une possibilité pour gagner quelques averses, surtout au sud de Port-au-Prince, de capitale là. Et nous attendons avec quelques averses isolées qui partent trop fort, avec quelques coups de l'orage aussi qui passent par là. Pour la page maritime, là, la mer est non seulement agitée sous côte nord et côte sud du pays d'Haïti, capitaine d'embarcation, précaution, parce que la mer est très agitée, mais pour golfe de la Gonave par rapport avec golfe n'a bien en mer qui peut agiter c'est dire en golfe de la Gonave capitaine est capable de naviguer correctement mais faut prendre précaution là prend le large pour côte nord avec côte sud pays d'Haïti page astronomique là soit la coucher jeudi à 7h30 et la lever demain matin à 7h19 minutes. Merci pour fidélité nous avec attention nous n'a croisé demain pour notre page météo.
Merci Wilner. Et gouvernement République là, à travers Fonds Assistance Économique Sociale FAES, Ministère Intérieur et Collectivité Territoriale, Ministère Affaires Sociales et Travail, et puis délégation départementale NIPE, relouvrit officiellement 22 restaurants communautaires dans le département NIPLAN. Dans l'occasion, un leader communautaire qui sortit dans diverses régions dans le département recevoir produits qui permettent restaurants communautaires à fonctionner. Louis-Nel Jean-Louis et Dicineus pour un reportage. C'est un total 22 restaurants communautaires qui relouvrent dans le département Niplan. Côté divers leaders communautaires étaient présents dans la délégation départementale là pour recevoir provisions tant que du riz, pois, l'huile, et ingrédients qui permettent restaurants communautaires à fonctionner. Directeur général Fonds Assistance Économique Sociale là, Châtelier Charles Ernest, rappelait leaders communautaires le comportement qu'ils doivent adopter dans le cadre de gestion des restaurants. Yo. Des GFAS la promet pour augmenter la quantité de restaurants qui gagnent dans le département. Tout restaurant, nous allons garder là, il y a pour recevoir produits, il y a pour recevoir du riz, il y a pour recevoir pois, il y a pour recevoir saumon, pour capable à le démarrer, il y a pour recevoir l'huile, pour capable à le démarrer le restaurant. Là. Jean, président Jovenel, a poné là. Il m'a dit, plate manger, pas de dépasser plus que 10 goudes. Parce que nous connaissons, nous avons une population. Pauvreté a li énorme. 10 gouttes nous pensons son prix standard. Étudiants qui sont l'école là, qui pas cap, qui passent, qui était la calice à manger, qui cap passer dans un restaurant communautaire, qui pointent y manger et puis là le bat bête là. Au moment petit qui pague en pile, qui cap utiliser si sale gain au lieu pour la mettre dans la chaudière, qui passer dans un restaurant, qui prend manger pour pas pour lui-même, pour petit yo. Délégué départemental Niplan, l'abbé Guivard, expliqué, réouverture restaurant communautaire Sayo pral porter un gros soulagement dans mettant en pile famille. Pendant les promettes pour améliorer la qualité de service, restaurant yo a offert population. Restaurant communautaire là signifie un pile bagaille pour nous dans les NIP, parce que nous connaissons que très récemment, c'était Mathieu qui était passé, l'écrasé Grand Sud. Parmi les Grand Sud là, nous connaissons NIP inclus et NIP. NIP était frappé, qui est très vulnérable. Côté Mounio, en pile moun, pas de moyens pour faire face avec la situation après Mathieu. Donc, restaurant communautaire là, c'est comme si c'était un sérum. Que président pote bay population pour dire que moi pas oublier nous m'avait nous m'a pas accompagné dans tout problème nous dans toute misère nous n'a utilisé tout ça que critique tout problème nous t'ai rencontré dans commencement pour améliorer situation pour permettre que nous offrions un meilleur service avec population. C'était un pile qu'est content bon côté leader communautaire yo pendant yo t'a recevoir produit ça yo selon ça yo fait connait réouverti restaurant yo pral gain impact positif sous condition la vie moun ki pi fè bio. Impact restaurant communautaire créé dans commune c'est gros bagaille. C'est à longueur de journée pendant que l'était campé là, moun a vinn côté metsego ki lè on va retourner avec la lité de nous en pile lui. Élève l'école yo content, handicapé yo content, avec yo content parce que m'a fait yo payer. Et m toujours en dan depuis ouais midi, m konnen dans l'école pour aller pour ti moun yo rentrer, m toujours prend élève l'école avant après ça me prend l'autre moun yo parce que pour y aller travailler avec yo tout m pa quitter campé dans ligne qui des côté restaurant yé li les manger cuite là dans li manger konn pa fin séparé pa et reste la rete pa fin vendre mais la caipam depuis la chaudière y a prend li. Programme ça a rentré dans quatre vision administration Moïse à gouvernement La Fontaine gagné pour accompagner cela qui puis fait bio. Merci Louis-Nel Jean-Louis avec Dicineus. Commission économie avec finance dans Sénat rencontré ministre commerce et industrie Pierre-Marie Dumény jeudi 5 juillet dans l'idée pour ba explication sous projet loi usage professionnel yo qui visait amender code de commerce là. Parlementaire ont besoin plus explication sous projet loi ça qui était dans débat dans Sénat pendant semaine là avant de voter texte là. C'est gouvernement qui était déposé projet loi ça devant parlement. Selon explication président commission économie et finance sénateur Rigaud Bélizer. Yon extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Objectif rencontre la note gen loi sur bay à usage professionnel là qui était en débat hier dans l'assemblée sénateur yo. Et pour des questions techniques que sénateur ont posées, il était nécessité pour nous rencontrer avec le ministre
qui est censé porter la loi dans le Sénat pour être capable d'avoir explication nécessaire qui permet la loi ça nous arriver voter dans la séance qui a fait mardi, si Dieu veut. C'est pour une nouvelle loi liée, c'est un chapitre dans le Code de commerce là, que le ministère voulait amender qui concernait bail à usage professionnel. Ça veut dire si par exemple on caille avec un monde par exemple pour faire business, si vous êtes loué caille là il y a 10 ans 15 ans, vous êtes loué 5000 gouttes, pas aucune provision légale pour augmenter prix caille ça, alors que monde qui met caille là tout ça pas arriver pas aucun intérêt pour faire des aménagements. Vous connaissez un monde qui loue en caille ou qui a des niveaux de réparation que qu'a fait là-dedans, mais qui a un autre niveau ou pas qu'a fait. Donc si prix caille là par exemple vous êtes loué en caille il y a 50 ans à 5000 gouttes pour monde faire business et que pour mettre business à vignement pour faire réparation qui a coûté 50 000 gouttes, laissez vous même en tant que propriétaire, pas aucun intérêt. Et deuxièmement, tout si on monde gon caille la pluie, normalement c'est à partir des cailles ça pour vivre. Mais si prix caille arrêté de manière permanente à un prix dérisoire, laissez ça pas personne monde qui propriétaire dans maison qui loue pour faire business, qui a aucun intérêt pour qu'il fasse des réparations avec elle. Et lui même tout, il pas qu'à vivre des biens ça qu'elle te possède. Donc ça fait que loi ça, ils ont droit de grande nécessité. Étant donné que collègues sénateurs ont des difficultés pour comprendre texte là, eh bien nous demandons ministre pour le présenter, pour le débat nous des explications au niveau de la commission pour permettre que dans la séance lundi à, eh bien toutes collègues sénateurs capables aborder loi ça. L'autre point à développer, Bureau national examen l'État, BUNEX, c'est en main correction texte examen baccalauréat, philosophie, biologie, chimie et sciences sociales. Ces matières qui déjà subi deux corrections selon quelques correcteurs. Après vérification, responsable BUNEX a bien pour voyer tout texte qui corrige dans le bureau central là pour texte qui méritait troisième correction. Lycée Marie-Jeanne avec l'École nationale Caroline Chauveau, c'est cette correction pour département l'Ouest là selon ministère éducation nationale et formation professionnelle. Et moi Haïti organisé jeudi 5 juillet première édition sommet international sous technologie et éducation dans centre convention BRH là. Activité ça qui réalisé sous thème technologie pour une meilleure éducation en Haïti permet aux professeurs, directeurs d'école, élèves et étudiants, professionnels et cadres dans système éducatif là participer et informer et puis partager information sous domaine éducatif haïtien. Yon reportage Falan Delphin ak Moïse Wilbridge. Zouti ak infrastructure technologique dans l'école, éducation technologique ak enseignement à distance en Haïti, accès internet pour l'école dans zone ki pi rekile yo, c'est sous différents points sa yo débat yo te déroulé. Plusieurs spécialistes kad ak employé dans domaine éducatif la, te pote connaissance approfondie mêlé ak expérience yo sou intégration technologique yo dans domaine éducation dans pays ya. Décision si la te prend suite à constat responsable Emo Haïti yo te fait sous situation critique qui gagnait sous utilisation technologie yo dans l'école yo. Pour ça, gen yon plateforme qui créé pour permettre plusieurs l'école commencer utiliser plateforme Bravo Haïti, organisation en mette campé pour aider yo gérer administration scolaire yo d'après propos président directeur général Emo Haïti ya Mordoché Réveil. Nous nan niveau que moi le niveau 0 là. Et à ce moment-là, niveau ça est caractérisé par plusieurs manques. Nous avons listé 5 manques ça rapidement. Nous avons un manque d'infrastructure et qui pas forcément dépend de acteurs privés, mais qui c'est un manque quand même qui a empêché technologie intégrée tout bon. Nous avons un manque de ressources logicielles. C'est une raison qui fait nous venir à Bravo par exemple. Logiciel que moun yo capable bien accès à faire parce que logiciel langue doit là mais trop cher par exemple ou bien pas comment pour servir avec il pas adapté à la réalité hein? Donc ça son deuxième manque. Nous gon manque de matériel tout gen l'école côté yo pas gen ordinateur même tout à bas courant logiciel yo là mais faut gen ordinateur et nous gen manque de formation et côté que moun yo même si tout bas ça ta là moun yo par contre comment gen moun qui pas comment pour ouvrir un ordinateur par exemple. Gen moun et ordinateur ouvert devant yo non plus yo pas connait ça pour yo faire. Donc son manque de formation que nous même si nous sérieux dans j'en a abordé problème non nous obligé à adresser le tout. Et puis dernièrement qui son manque d'intérêt côté que moun nan en général moun yo pas intéressé à technologie en plus que pas intéressé mais li juste
peur. C'est-à-dire, pas venir parler avec Internet, pas venir faire ça. Ça, tout son problème pour nous adresser si nous voulons intégrer la technologie tout bon dans l'école. Maintenant, cinq caractéristiques, ça, c'est ça, moi, le niveau zéro, non, côté nous y est dans la technologie en Haïti dans l'école. Yo. Directeur innovation et développement EMO Haïti, Jean-Stéphane Dubois, fait qu'on est premier sommet ça. C'est occasion pour acteurs collaborer, chita parler et puis partager expérience pour joindre solution pour lever qualité éducation. Hein, ça cap permet technologie à intégrer système nan, et qui pral aider dans développement pays. Ya. Il y a un pile monde qui pas réalisé importance que que technologie a apporté dans l'éducation. Et c'est de ce fait que nous avons voulu lancer un sommet EdTech Haïti, mais pas lancer n'importe qui jeune. Nous avons voulu collaborer avec les différents acteurs dans le système éducatif haïtien et à l'étranger, de sorte que tout leader ça yo avec expérience yo qui gagne dans domaine ça yo capable vinn partager et c'est ça qui fait que nous inviter plusieurs directeurs l'école avec professeurs à travers le pays ensemble avec élèves pour vinn connaît mais qui différentes ressources qui disponibles dans menou et pour nous capable parler de qui difficulté qui gagne qui gagne infrastructure et qui gagne nous ca collaborer de sorte que nous ca vinn avec des solutions techniques qui a résolu le problème ça et capable aider nous non seulement gagner une meilleure gestion administration mais aussi élever qualité éducation. Donc si nous avons un programme là, donc c'est-à-dire nous gagnons bail pour professeur, c'est-à-dire développement, nous gagnons bail pour directeur, c'est-à-dire différents outils qui sont disponibles, c'est ça qui fait que tout le monde qui est dans le marché a yo là, il y a bien pour faire présentation et nous même collaborer tout avec des jeunes professionnels qui déjà a fait des bails qui intéressants que c'est des applications Android ou bien iPhone ou bien des applications en ligne que créer côté que nous ca vinn faire exposition de sorte que même l'école mais tout le monde qui gagne organisation qui veut porter initiative là yo ka ouais exactement qui ça qui fait entreprise EMO Haïti c'est une entreprise à but non lucratif qui gagne pour objectif permettre intégration technologie information à communication dans l'école yo. Parallèlement, gouvernement en place là gagne un projet ba 500 l'école dans pays à énergie et technologie en même temps yon moyen pour permettre modernisation éducation dans pays à. Observatoire système et financier haïtien et puis groupe croissance SA présenté jeudi 5 juillet yon analyse sous projet loi finance exercice fiscal 2018-2019 là. Objectif et activité a c'est pour vulgariser projet loi finance là. Nous proposons suivre un reportage d'Aline Dorival à Hervé Pierre. Tableau ça présenté projet budget exercice fiscal 2018-2019 là. Côté financement yo qui vaut 21.01 milliards goud, dépenses capital yo ça y aurait les investissements lui-même 86.18 milliards goud, dépenses courantes yo qui représentait 90.10 milliards goud pour ne citer ça yo seulement. Recettes domestiques yo représenté 125 milliards goud, yon indication d'après économiste Kessner Farrell qui c'est un point positif pour l'État. On regarde comment le budget a été pendant les années. Pour une performance économique, on regarde bien avec le budget. 2010-2011, Haïti a entré seulement 36 milliards de goud de recettes. 36 milliards de goud. Et nous avons tendance à la hausse de manière continue. De 36 à 46, 52. Ils font une stabilisation à 51, remonter à 60. Ils n'ont jamais baissé. Et voilà le gouvernement qui prévoit pour l'exercice fiscal en cours 125 milliards de gourdes. En termes nominaux, c'est la première fois que Haïti va franchir la barre de 100 milliards de gourdes de ressources domestiques. Donc, le changement structurel qu'a fait dans l'économie haïtienne, là, c'est regarder des séries sur le passé. Notre plus court, maintenant qu'il y a des résultats. Observatoire système financier haïtien remarqué prévision pour organismes indépendants yo tant coût supérieur des comptes gain 1.23 milliard goud, conseil électoral provisoire 651 millions goud, OPC 100 millions, université l'état 2.2 milliards, académie créole haïtien 50 millions goud qui c'est une augmentation considérable en dans document ça. Ça c'est une institution indépendante yo qui gagne 5 milliards de gouttes, augmentation de 6,9%. On a parlé de l'Université de l'Haïti, on a parlé de l'OPC, on a parlé de cours supérieurs des comptes. Ça, c'est une date d'attention de le service de la dette. À savoir, chaque mois, le gouvernement vient pour retirer près de 2 milliards de gouttes par mois pour le service de la dette.
rappelez-nous que le ministère n'a pas gagné 1 million de gouttes. C'est comme si nous avons un bon a chaque mois pour nous payer bon. Donc 2 millions de gouttes par mois, ça fait 24 millions de gouttes pour l'année, ce que représente la capacité du service de l'année. Et nous allons trouver les fameux comme autres, que nous connaissons très bien, qui augmentent de manière considérable, à 40,5 milliards de gouttes. Projet budget République là pour exercice fiscal 2018-2019 là évalué à 176,28 milliards gourdes. Le nouveau groupe et entrepreneur commencé à prendre fil dans le secteur affaires en Haïti. Ariane Borgela Lomeli et Peterson Ralph Menela, c'est deux parmi jeunes entrepreneurs. La présidence Tebay Bourad l'argent pour supporter projet qui était lauréat dans un concours association Renaissance Haïti te mette sous pied dans le département sud des pays. Trois mois après, une équipe et télévision nationale d'Haïti te fait un rivé dans le Camperin pour garder qui progrès qui fait bon côté quelques nan lauréat yo. Sabine Jean-Étienne, Jean-Naël Duvernay. C'est avec un projet qui relait à Kassampam, Ariane te sorti premier lauréat dans concours association Renaissance te organisé dans Camperin sous entrepreneuriat agricole 7 avril 2018 là. Pria yon chèque 200 000 goud président républicain Jovenel Moïse te bay pour accompagner gagnant yo nan projet yo. Trois mois après, vie professionnelle jeune dame ça prend un nouvel élan. C'est à Campile Fierté, Ariane recevoir nous dans le local à Kassampam qui prend l'ouvrir dans le mois de juillet. Comme ça que nous gagnons dans le concours là, actuellement c'est plus aménagement et puis publicité que nous faisons plus. Nous faisons production parce que nous avons déjà produit. Nous continuons avec production, mais nous faisons publicité parce que nous n'avons pas de moyens pour nous faire publicité. Et puis nous avons espace. Nous avons espace. Pour ça, nous avons eu la chance de rencontrer Ralph Peterson Menelas, un autre lauréat concours qui sortit dans la deuxième section Masseline, commune Camperin. Avant concours, Peterson a eu seulement 20 poulets de chair dans la coula Kaili. Jeudi, il a lancé un poulailler qui a 350 poules qui vend très bien sur le marché local. Là. Il même envisager à grandir dans jouk ap vini yo. Ya sim ka gen kay sa grâce à concours. Sim ka kounya m ka fait 3 400 500 pour les grâce à concours, m dame fait plus toujours. Si c'est pas Renaissance Haïti pas vienne pour là encore. Parce que chaque vie gen machine Gabriel Moka et tout partout pour m pote pour yo. C'est comme ça m toujours ap pote pour mon a vinn acheter. Si pas dit m ka vente là hier, m de continuer pote au kay, pas de vienne là. Concours a été déroulé sous thème en créer et puis encourager opportunité pour tout le monde. Il était ciblé 4 sections dans la commune Camperin: Lévis, Marceline, Avenaz et Centreville. Responsable Renaissance Lan, Carmélie Montuna, expliquait l'association en patelage participants pour compte pendant différentes étapes concours. Pendant que tu es dans le concours, il y a des formations que nous avons faites avec eux pour montrer comment pour monter l'entreprise, comment pour gérer l'entreprise. Et là, au fin de gagner, nous suivons normalement parce que nous pas juste dans le cobre et puis quitter. Toute étape, nous franchissons nous avec eux, que c'est pendant qu'il y a aménagé, il y a construit, il y a fait et acquisition matérielle. Nous toujours accompagnons et nous avons des gens qui continuent à faire une formation, surtout question comptabilité, qui vient pour et un cahier, même que Renaissance Haïti tout bas comme modèle. Activité financière et l'organisation caravane changement dans le département sud. Là. Chef l'État encourage le staff Renaissance à continuer à organiser les gens de concours dans tout le pays, une façon pour permettre aux nouveaux entrepreneurs de venir renforcer le secteur affaires. Ça a créé plus de jobs dans le pays. Jean-Michel Nuit, li fait l'heure pour une l'autre pause dans le téléjournal là, n'a pas tourné. N'a pas poursuivre avec l'Université technologique d'Haïti qui lançait jeudi 5 juillet. Yon colloque deux jours sous thème comprendre les enjeux de l'environnement en Haïti. Forum ça organisé dans l'idée pour alerter autorité l'État yo sous dimension problème environnement dans pays a. Doyen université a Jocelyn Val fait connait problème environnement doit concerner tout monde dans société a. Pendant deux jours ça yo plusieurs professeurs dans université privée avec l'État a bien pour faire débat sur divers sujets qui gen rapport avec environnement. Yo extrait dans micro Sainte-Croix Paqui à Henri Robert Chéri. Thème en débat dans le cadre de ce colloque, c'est comprendre les enjeux de l'environnement en Haïti. Comme vous le savez, monsieur, c'est le rôle de l'université d'aider
la société, d'aider la population, d'aider les citoyens à comprendre les différents problèmes auxquels ils font face. Qui est-ce qui peut bénéficier de deux chocolats ça, qui affecte son environnement et pays à tout ça qui peut bénéficier? Mon cher, et évidemment, étudiants, alors les premiers bénéficiaires, ce sont les étudiants. Car les deux premières tables rondes tombe exactement dans l'apprentissage des étudiants en génie civil et en agronomie. Donc, la première table ronde, nous venons d'avoir deux experts, et c'est risque sismique, hein, les risques sismiques et la question des géotechniques. Donc, nous venons d'avoir deux experts, un de laboratoire national, et l'autre est venu du bureau des mines. Donc, activité ça et tout. Certainement, c'est des activités pour montrer population en jeu gagnant, pour montrer population comment comprendre l'environnement, qui menace qui gagne en rapport à l'environnement, comment population protéger tête li. Hmm? Pour que l'environnement n'a pas venu au bagaille nocif pour la population, mais aussi pour permettre aux étudiants de renforcer leurs capacités. Bureau Kazakh, 6e section communale Port-au-Prince, lancé jeudi 5 juillet, une campagne sensibilisation à l'occasion période cyclonique. La campagne ça doit permettre citoyens de connaître comment pour se comporter dans moment cyclone et puis comprendre ensemble des dégâts catastrophes naturelles qu'a causé. Bureau Kazakh, 6e section Port-au-Prince, profiter des populations, rester vigilant et puis suivre conseils et messages qui permettent d'évacuer zones qui ont risque les gain danger. Kazakh Shirley Olivier et magistrat Bernard Joseph a porté plus précision dans micro Hertelou Marie Dieudonne à Hervé Pierre. Nous avons une activité de sensibilisation côté n'a sensibiliser population hein, pendant saison cyclonique là qui conduit pour gagner qui comportement pour gagner pendant saison hein, et nous montrer alerte yo. Le yo est drapeau, le yo tande sonore, mais qui comportement pour yo gagner. Je vous dis à la saison cyclonique, son gros bagage ça. Parce que gen moun le yo dit cyclone jusqu'à présent gen moun dans population, il pas connait ça cyclone nan. Malgré y a tande, il pas connait ça. Et ça qu'a fait je dis là, c'est pour sensibiliser moun yo. Comme Kazakh a se dit, nous pas ta ka inviter tout le monde, mais inviter près de 150 à 250 moun, c'est chaque moun ça après ça qui va dans zone yo. Qui prend le parler à mon message, je s'attendais à là, je prends le poté l'aller. Parce que nous-mêmes, la mairie, Kazakh, Azek, la police, ce n'est pas le grand moment danger, nous allons dire, nous déplacer, pour ne pas venir déplacer, le sable, nous allons déplacer par la force, pour... parce que quel que soit, je ne vais pas mentir. Parce que nous, oui, nous préférons déplacer par la force. Donc nous ne pouvons pas voulu ça qui. Mais pour ça pas arriver, c'est ça que ça qui a fait, je dis, a fait là. Qui s'allie, c'est sensibiliser mon yo. Dio, mais c'est un cyclone, mais ça est un déboulement terrain. Pour qu'il y ait un comprendre, pour l'un de déplacer, pour qu'il y ait un mesure pour aller. Ministre Kelti à communication, Joseph Guilherme Cédelva décrété mois juillet, mois de mort Jean-Baptiste, ministre à disons ça dans l'occasion d'une conférence spéciale ministère communication organisée jeudi 5 juillet. Dans ce sens, ministre Delva a présenté calendrier d'un ensemble activité lui-même avec équipe lui prévoit réaliser dans mois juillet pour honorer créateur compa direct là le mot Jean-Baptiste. Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint pour un extrait. Nous avons calendrier là plus ou moins nous gagnons le 22 juillet, il y a une projection sur l'immortel de Mont Jean-Baptiste. La fête dans le cœur Oxygenti, c'est un documentaire, un film documentaire avec Ed Zaminio dans Yera, étudiant qui eux-mêmes et qui facilite ça. Et pour une jeune film ça, qui pourra le projeter sur le cœur Oxygenti. Nous parlons le 24 juillet, nous avons une conférence biographie de Nemo Jean-Baptiste. C'est la fête dans Yera dans la fleur du chêne. Nous avons gagné une conférence tout avec plusieurs gros connaisseurs dans le compas, toujours 24 juillet 2018. Là.
m'bako bijou bay nou yo, mais yon nan gros m'da di présentateur nan moment sa, c'est pas le Mario de Volsi, mais ap gen plusieurs l'autre connaisseur kompa kap présentou sou panel la. Genye 25 juillet conférence sur l'œuvre de Nemo Jean-Baptiste, l'ap fête dans Ciné Triomphe. Et gen yon ban connaisseur kap la nap geta pou nou bon liste nou an, qui n'est pas encore fini complet, mais qui nous gagne déjà 5 intervenants, et nous gagne l'autre qui a venu. Le 26 juillet, c'est cérémonie de dévoilement buste Nemo Jean-Baptiste, sous place Sainte-Anne. Nous avons gagné tout en cérémonie de côté de by distinction à des moun qui marquent compar. Et entre-temps, nous avons gagné pour nous gagner en au courant de ça, parce que nous communiqué avec sortir et nous avons parlé avec autorité au plus haut niveau pour que le jour qui c'est 26 juillet pour le déclarer journée nationale du compas direct. Donc pour que dans toutes les médias, dans toutes les radios, c'est compas seulement joue ça qui joue dans le pays d'Haïti. Le 28 juillet, nous gagnons, et le 26 juillet, comme nous connaissons, un gros concert sur la Sainte-Anne. Avec différents, avec des groupes, des artistes, qui, y compris groupes qui va jouer musique de Nemo Jean-Baptiste, mais tout, et des anciens de Nemo Jean-Baptiste qui est capable avec nous, et l'autre groupe qui est capable de jouer compas, qui c'est héritage que Nemo Jean-Baptiste qui était pour nous là. On a bien le 28, on l'autre soirée, qui a bien plusieurs groupes là-dedans, y compris. Il y a classe tout qui a fait un événement particulier. Toujours, lui-même l'a commencé dans début août là. Parce que monsieur, ça, c'est le ça a rentré tout avec tout jazz là. Donc, il a proposé pour faire dans début août là. Mais, le 28, on a gagné un autre événement avec plusieurs groupes qui ont participé comme cocktail pour nous clôturer, moi, Nemo Jean-Baptiste là, l'homme dit clôturer, mais, nous disons que gagné un spectacle, une soirée classe tout. A offri spécialement dans le cadre de la commémoration 100 ans de Mour Jean-Baptiste. De l'autre bord, ministre Guilherme Cédelva a annoncé l'organisation d'un concours de danse traditionnelle dans la même période. Là, toujours dans le micro Rachel Saint-Fort et Fresnel Toussaint. Un extrait. C'est un concours de danse traditionnelle que nous lançons à partir de 22 juillet à travers PIA. Concours de danse traditionnelle là pour commencer. Mais inscription a commencé depuis 9 juillet là. Du 9 au 19 juillet. Du 9 au 19 juillet, tout groupe de danse. Attention, on a parlé de danse traditionnelle et on a bientôt pour annoncer quelques danses que nous avons besoin de danser. Mais c'est danse traditionnelle. C'est pas. C'est des danses que nous avons perdues, que nous avons essayé de récupérer. Nous avons parlé de série de danses, nous parlons souvent de croiser le 8, nous parlons souvent de danser les menouates. Donc nous avons besoin de permettre que tout le mouvement créé à travers le pays, jeunes timoun, pour chercher un grand-grand-grand-grand pour montrer danser dans ça et pour nous réapproprier nous avec télévision pour aller là en direct à suivre pour tout le peuple haïtien capable de commencer à redanser dans ça. Même Jean l'a dansé tout toujours. Même joie, du 9 au 14, du 9 au 19 juillet, inscription tout pour un concours de tambourineur. Moun qui compte battre tambour commence à préparer. Parce que par un bon prime, ou par un petit bagage, ou par joindre sous bien danser, sous un groupe pour, ou par un produit, et n'a fait concours au niveau département, chaque département, et après ça, n'a fait au niveau national. Et moun qui prend l'inscrire, ou capable d'inscrire dans n'importe qui, claque. Bureau clac qui existait dans la zone yo n'importe côté gain ministère culture qui représentait yo capable inscrit dans bureau ministère culture hein, et yo capable inscrit tout dans bureau bibliothèque nationale. Déclaration ministre culture et communication qui annonçait l'organisation d'un concours de danse traditionnelle pendant le mois de juillet. C'est le moment pour nous prendre une dernière pause nous dans le téléjournal ça n'a pas tourné.
On a continué à augmenter l'accès à l'électricité à travers des réseaux autonomes. C'est sous thème sa activité hebdomadaire mercredi réflexion Banque Interaméricaine Développement déroulée mercredi 4 juillet. Activité a été occasion pour participants yo réfléchi sous problème pays a fait face dans affaires énergie, électricité et puis marcher ensemble solution à problème ça yo. Yon compte rendu Rachel Saint-Fort à Henri Robert Chéri. D'après organisateur yo, activité réflexion ça rentre dans quatre promesses président République là. Pour la population courant 24 sur 24. Activité ça a été occasion pour représentants diverses institutions publiques ou privées, partenaires internationaux qui impliqués dans les affaires énergie et électricité dans le pays, brasser l'idée sur la question ça, garder point fort et faiblesse et puis faire proposition pour augmenter l'accès à l'électricité dans le pays. La réflexion aujourd'hui, c'est nous devons sensibiliser tout le monde, en plus l'expert qui est venu pour nous montrer que. Nous n'avons pas besoin de 30 ans ou bien 25 ans pour nous avoir un gros réseau pour nous faire extension sur eux. Mais avec moyen nous avons, de temps en temps, nous mettons un micro-réseau. Un côté, comme ça rapidement, nous avons pris plusieurs zones, nous avons pris 5 zones. Et pour installer 5 micro-réseaux en même temps dans différentes zones, comme ça, l'accès à l'électricité a augmenté très rapidement. Directeur général électricité d'Haïti à Hervé Pierre lui expliqué qu'il a travaillé dans niveau institution 1 pour produire plus courant. Directeur général EDH lamenté population pour porter contribution par dans sens ça pour faciliter EDH plus performant. Côté EDH n'a travaillé pour nous produire plus, nous avons gardé dernièrement centrale Pellig réhabilitation finie. Actuellement, je veux dire là, comme gain de l'eau, dans mesure de bail 50-54 MW. C'est plus production, plus commercialisation. Nous avons bataille pour que nous kembe, pour stabiliser les résultats que nous commençons à venir. Et je profite de présence après ça pour dire que ce n'est pas seulement en dans EDH pour que l'effort soit fait, faut que la population respecte la date limite. Pour le payer, il faut que la population comprenne qu'il faut sortir dans la question vol, dans la question prise, parce que ça a un danger là-dedans. Directeur général Autorité nationale régulation secteur énergie, Evenson Calixte, fait qu'on est programme pour améliorer l'accès à l'énergie et l'électricité dans le pays, chita sous trois volets. Programme électricité président de la République et le gouvernement Moïse Lafontaine en général, il y a trois volets là-dedans. Il y a un volet qui s'est mettre en place le réseau électrique national. Ça veut dire que ça concrètement, il y a 10 réseaux régionaux qui fonctionnent de façon indépendante, on va augmenter la capacité de production. Il y a 20 MW qui passe à 40 MW, il y a 10 MW qui passe à 30 MW, on va augmenter la capacité de production, faire fonctionner, et puis là, on commence à fonctionner de façon optimale, on va l'interconnecter. Ça, c'est le premier axe dans le programme énergie gouvernement. Deuxième axe dans le programme énergie gouvernement, il y a un côté réseau national à pas jamais arrivé à cause de conditions territoriales. Côté régional, réseau par IVA nous dit que nous allons développer plusieurs mini-réseaux. Et tout mini-réseau, ça pourra utiliser énergie propre, soit énergie solaire, là, énergie vent, énergie de l'eau, énergie ou jeune dans la biomasse. Pour le troisième axe qui pourra aller, section communale, yo, zone yo, vraiment habitat dispersé, maison gaillée une par rapport à l'autre. Côté maison gaillée une par rapport à l'autre, nous dit que nous allons développer ça, nous relais une stratégie qui aurait les systèmes solaires autonomes. Ça nous des petits systèmes solaires qui installés et la caille. Responsable a expliqué qu'il a continué de travailler, réfléchir à différents acteurs concernés dans la question énergie et électricité pour chercher ensemble une bonne stratégie qui permet de répondre à des problèmes pays qu'on est dans le domaine de ça et puis faciliter la population jeune courant. Et j'en te dis, li nan grand titio, président République la Jovenel Moïse, li retourne nan pays à Asoya après participation nan 39e réunion ordinaire chef l'État ak gouvernement CARICOM yo qui fête nan Jamaïque. Tête à tête ça, l'État sous expertise que Cuba ban nou en matière d'ingénierie hydraulique. Parce que faut pas oublier. Barrage irrigation que nous avons fait dans le pays, dans la zone Marion, c'est 15 experts, ingénieurs hydrauliques, ingénieurs civils cubains qui ont fait travail ça avec le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics qui fait toute étude géophysique et géotechnique. Le ministère des travaux publics qui a des techniciens qui travaillent, je vais parler d'ingénieurs civils
gagner des équipements d'eau. Et puis, maître d'ouvrage, c'est le ministère agriculture qui lui-même a travaillé pour mettre 32 jeunes ingénieurs agronomes qui spécialisent en génie rural, yo même pour y aller travailler derrière 15 experts cubains pour y aller prendre bon gens connaissance que experts cubains a mettre à terre dans barrage Marion parce que gens nous connaît nous dit c'est pas un seul barrage que nous gagne à construire dans pays a pendant mandat nous gagne plusieurs barrages pour nous construire parce que faut nous quitter de l'eau de surface là j'en te dis donc on comment pour nous mettre de l'eau terre nous dit rivière terre monde et soleil là ensemble mais pour faire faut commencer travail pour maîtriser de surface dans pays là nous mandé président cubain pour lui capable voyer pour nous 30 autres ingénieurs parce que pour qui ça nous dit 30 autres ingénieurs faut pas oublier on barrage irrigation son barrage extrêmement difficile son gros ouvrage lié. Si pour nous respecter promesse nous qui s'est fait plusieurs barrages irrigation dans le pays, nous pas qu'à travailler avec une seule équipe. C'est ça que fait le ministre de l'Agriculture, le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Environnement. Ils ont décidé pour être capables de mettre trois équipes sous pied. Ça veut dire trois équipes qui ont une capacité d'exécution. Et le laboratoire national que le ministre des Travaux publics a renforcé. Déjà, et il y a une équipe qui a venu pour rendre le laboratoire national en capacité pour faire 7 études par année. Pour faire 7 études de barrage à la fois par an. Capacité ça que le laboratoire national a venu, hein? J'aime soutenir trois ministères, environnement, agriculture et travaux publics. Je vais mettre tête ensemble pour voir si, pour comment que nous avons fait trois chantiers ensemble. Parce que un chantier, pour le finir, pas oublier la propre 12 et 18 mois. Nous avons un quatrième ministère, c'est le ministère de la Défense, avec jeunes et ingénieurs, militaires, et ensuite, il y a des soldats techniciens qui prennent l'information et dans le recrutement que nous allons faire tout, nous parlons de jeunes garçons avec jeunes filles qui prennent le travail dans le niveau ça pour opérer l'équipement. Mais, et je ne dis pas pour nous trois unités ensemble parce qu'on barrage pour nous faire en fait ouvrage, il prend en 12 et 18 mois. Ça veut dire si vous avez dit son seule équipe qui t'a fait barrage, ou t'es n'a pas gagné temps faire trois barrages pendant le reste mandat crédit. Mais avec le système ça que nous allons mettre sous pied, ça va permettre nous faire trois barrages en même temps. Ça veut dire qu'on dit chaque 18 mois, on a une capacité pour faire trois barrages d'irrigation dans le pays. C'est pour ça que nous demandons à Cuba, à travers la tête à tête que nous avons avec le président, pour être capable de mettre à disposition le pays dans l'accord de coopération que nous avons, 30 autres ingénieurs en hydraulique qui permettent nous de construire l'autre barrage dans le pays. Tant que le barrage nous avons pour nous construire sur la Grande Rivière du Nord. Nous avons pour nous construire barrage sur trois rivières, barrage dans Savane-Diane, dans plusieurs rivières, nous parlons de rivières Cano, rivière et Rio Frio. Il y a pile rivière dans le pays qui pour nous construire barrage sur. Barrage que nous avons pour nous construire sur Grande Rivière de Nip, qui pour user pleine Bakonois. Tout ça, c'est des promesses que nous avons fait. Que ce n'est pas un seul jour que nous avons travaillé pour nous faire promesses, pour nous faire respecter, mais je ne dis, hein, c'est avec de grands travaux. Nous mettons sous pied pour nous respecter la promesse. Et le président cubain, nous avons profité de parler avec lui pour ben nous possibilité pour nous voir de jeunes haïtiens diplômés à la formation pour un niveau maîtrise en hydraulique Cuba. Troisième point de discuter, c'est les affaires. CSME, qui c'est marché unique, c'est économie unique Caraïbe. Nous connaissons pile document qui est écrit sur ça déjà. Comment nous avons fait CARICOM non, venir au marché unique, ça veut dire 15 pays CARICOM, c'est même gens ça fait en Europe. Nous commençons dans les affaires politiques, ça veut dire pays où qu'on y a là CARICOM, la grande décision qui pour prendre faut tout chef d'État d'accord, mais pour qui ça sur le plan
économique, nous ne sommes pas capables de faire le même genre. C'est pour ça, je vous dis, il y a des décisions que nous prenons pour nous dire, on commence à faire des petites victoires. Par exemple, une petite victoire dans la redynamisation structure phytosanitaire qui gagne dans le commun. Ça veut dire que pour exporter marchandises, surtout produits agricoles, pour qu'on ait foc ou gagner un certificat phytosanitaire pour produire ça. Ça veut dire pour dire que produit qui a sorti dans le pays, c'est correct. Eh bien, pour certificat ça, CARICOM a une unité qui occupe de ça. Et pour chaque pays, tout, par exemple Haïti, gagne un laboratoire phytosanitaire. Quand il y a un travail pour nous, si nous mettons une structure en place, pour nous donner un standard pour tout le Caraïbe, là, là, ça norme, il y a tout le monde qui connaît, tous 15 pays, yo, là, ça a un échange qui peut faire dans les produits agricoles yo, pour échange ça, yo, yo fait correct. Il fait l'heure pour nous aller, mais point de développer, président République là, Jovenel Moïse, retourner dans le pays à Soya après participation dans la 39e réunion ordinaire chef l'État avec le gouvernement CARICOM dans Jamaïque. Gouvernement République là, à travers Fonds Assistance Économique Sociale FAES, Ministère Intérieur et Collectivité Territoriale, Ministère Affaires Sociales et Travail, et puis délégation départementale NIPLAN, relouvrit officiellement 22 restaurants communautaires mercredi 4 juillet dans le département NIPLAN. Depuis environ deux jours, Bureau national examen l'État au BUNEX, tamen correction, texte examen baccalauréat, philosophie, biologie, chimie, action sociale, ces matières qui déjà subi deux corrections selon quelques correcteurs. L'autre point de développer, Commission économie et finance Sénat rencontré ministre commerce et industrie Pierre-Marie Dumény jeudi 5 juillet dans l'idée pour bailler explication sous projet loi usage professionnel yo qui visait amender code commerce là. Observatoire système financier haïtien groupe croissance SA présenté jeudi 5 juillet yon analyse sous projet loi finance exercice fiscal 2018-2019 là. Objectif activité a c'est vulgariser projet loi finance là. Et puis EMO Haïti organisé première édition sommet international sous technologie et éducation dans centre convention BRH là. Activité a déroulé sous thème technologie pour une meilleure éducation en Haïti. C'est tout ça que nous avons pour vous dans le téléjournal. Merci pour l'attention. Merci à tout le monde qui a participé dans la production du téléjournal. Merci à la nouvelle. Là. Nous souhaitons tout le monde passer une très bonne soirée en compagnie de Télévision Nationale d'Haïti, chaîne 8.